Guide complet des défis groupe de pacification partie 3. Gagner le jeu d'arcade à l'arrêt des voyageurs ou à la station tempérée. Alors pour réaliser ce défi, vous avez deux emplacements, soit tout en haut de la map ou soit juste ici sur le gameplay au-dessus de Frenzy Field. Moi je vais me rendre juste au-dessus de Frenzy Field. Hop. Et logiquement, quand vous allez arriver près du lieu, vous aurez un petit point d'exclamation vous indiquant l'emplacement de la borne d'arcade. Voilà, comme j'ai en face de moi. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement vous rendre à cet emplacement-là et interagir avec la borne d'arcade pour réaliser le jeu. Donc c'est très très simple, hein. Vous interagissez avec. Ensuite, vous avez un point vert que vous allez devoir emmener vers le X en interagissant avec les petites flèches, comme je suis en train de le faire. Voilà. Et hop, dès que vous aurez emmené le petit point vert sur le X, ben là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ouvrir de force des caisses pour récupérer le matériel électrique volé. Donc pour réaliser ce défi, vous avez deux emplacements possibles, soit à Knockinet ou soit au-dessus de Brutal Bastion tout en haut de la map. Donc quand vous êtes à l'un de ces deux emplacements, vous avez des points d'exclamation qui vous indiquent ce que vous allez devoir ouvrir. Donc pour les ouvrir, vous avez juste à taper dessus. Et là, vous allez devoir récupérer trois objets volés. Trois objets électriques, enfin trois matériels électriques. Hop. Donc vous cassez vous forcez trois caisses et dès que vous aurez récupéré trois objets électriques, enfin trois matériels électriques, ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. S'équiper du sac à dos capteur. Donc pour réaliser ce défi, vous avez deux emplacements possibles, soit à côté de Mega City ou soit à Brutal Bastion juste ici. Donc quand vous arrivez près de l'emplacement, vous avez un point d'exclamation qui vous indique le sac à dos. Donc voici le sac à dos. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement le récupérer. Dès que ce sera fait, ben, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, vous allez devoir traverser des anneaux de calibrage avec le sac à dos capteur. Donc, pour réaliser ce défi, vous récupérez le sac à dos à l'un de ces deux emplacements, comme on vient de le faire. Et vous allez tout simplement passer à travers les anneaux qui sont indiqués sur la carte. Donc, vous pouvez les voir avec un petit point d'exclamation. Vous avez juste à continuer le chemin. Comme je vais le faire, là il y a une sorte d'aération, on va monter dedans, on va rentrer dans cette aération et on va suivre tout simplement le chemin. Et là normalement on va devoir passer à travers 5 cercles, donc là j'en ai déjà passé 3. Ok, donc là il y a un quatrième, je suppose qu'il y a un dernier un peu plus loin, ouais c'est ça, il y a un dernier juste là. Et dès que vous aurez passé à travers les 5 cercles, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Parler à Mystica. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à Shattered Labs, donc juste ici. Et ensuite, vous allez devoir tout simplement parler à ce personnage-là et continuer le dialogue pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Code créateur SCL.